J'ai absolument besoin d'avoir plus d'infos pour fabriquer un virus efficace. Une sorte de fouineur que vous allez devoir introduire sur l'interface du cortex. On va enfin savoir où tu te trouves, Tyron. C'est pas vrai, mais rien, je trouve rien, moi. Ouais, c'est pareil. Je comprends pas. Y'a plus aucune info après le 25 juin 2003. C'est comme si c'était volatilisé. Comment c'est possible, enfin, type comme Tyron, qui a été pendant des années l'assistant de mon père, il a forcément laissé des traces. Et puis pourquoi cette date, là, 25 juin 2003? Dès le moment où il s'est fâché avec ton père. Enfin bon, il faut absolument réussir à localiser son labo si on veut détruire son supercalculateur. Jérémy, je commence vraiment à fatiguer, là. Il est presque minuit. Bon, ok. Stop pour ce soir. Puis j'ai pas tellement envie de rêver de Tyron toute la nuit. Mais demain, on n'a pas le choix. Faut qu'on retombe sur le cortex. Et n'oubliez pas, l'opération Une heure dans le noir, c'est samedi à 20h. Et on compte sur vous. Une heure dans le noir, c'est des années d'espoir. En fait, j'ai oublié de te dire, mais t'as carrément assuré ce matin au bord de français. T'as vraiment du talent, Sissi, je t'assure. Et n'oublie pas, c'est samedi. J'y pense, tu m'avais pas dit qu'Ulrich viendrait nous aider? Sissi, il devait. C'est cool, il est fiable ton pote. Ouais, super fiable. Bon, j'ai travaillé toute la nuit sur un petit programme. Une sorte de fouineur que vous allez devoir introduire sur l'interface du cortex. 18. Elle a eu 18 à son devoir de français et la prof a même lu sa nouvelle devant toute la classe. 18? Mais moi, je pensais que les notes en français, ça s'arrêtait à 11. Attends, faut trop que je vois cette pièce de collection. Non, mais rien d'exceptionnel, hein. C'est juste un devoir. Rien d'exceptionnel, c'est ce qu'on va voir. Non, Odd, je te préviens si tu fais ça. Alors... Mia n'en croyait pas ses yeux. Eric, son ami de toujours, son âme sœur, ce garçon si profond, si sensible, dévoilait soudain un tout autre visage. Celui d'un être immature, entêté, et qui, surtout, manquait cruellement d'attention aux autres. T'es vraiment trop nul. Ben quoi? J'ai juste lu ton texte. En plus, c'est dommage, hein. Moi, j'aurais bien voulu savoir la fin de l'histoire. T'aurais pas été déçu. À cause de son comportement débile, le mec finit par briser leur amitié. Ah ouais, pas cool. Excusez-moi de vous ramener aux choses essentielles, mais on a quand même une mission qui nous attend, là. Oh, le casse-délire! Bon, on y va, mais c'est vraiment parce que c'est toi, hein. Le mec que tu décris dans ta nouvelle, c'est moi, c'est ça? Immature, entêté, manque d'attention aux autres. C'est comme ça que tu me vois? Tu te fais un film, c'était juste un devoir, c'est tout. Ouais, c'est ça. Prends-moi pour un débile. Quand je pense qu'en plus, il a été lu devant tout le monde. Bon, écoute, Ulrich, on en parlera plus tard si tu veux, mais là, on doit vraiment aller au labo. Je viens pas. Quoi? Je viens pas. J'ai besoin d'être seul. Tu vois, Yumi, moi au moins, j'ai toujours été honnête avec toi. Je préfère qu'on arrête de se voir. Ce sera mieux comme ça. Bon, vous savez tout ce que vous avez à faire? C'est bon, Jérémy, on a compris. Je l'ai déjà dit des milliers de fois, Aelita glisse l'heure dans l'interface et ça déclenche l'alarme. Du coup, les ninjas appliquent, les garçons et Yumi s'en occupent. Et pendant ce temps-là, Aelita insère le fouineur qui, comme ça, n'est pas repéré. C'est bon, on n'a rien oublié. Parfait, vous frôlez le 20 sur 20. Et je vous enlève un point pour insolence. Ulrich est pas avec toi? Non, il viendra pas. Quoi? C'est quoi cette histoire? Écoutez, j'ai vraiment pas envie d'en parler, donc on y va? Transfert Odd. Transfert Yumi. Transfert Aelita. Je lance la virtualisation. Scanner Odd. Scanner Yumi. Scanner Aelita.
Virtualisation. Bon, Yumi, c'est quoi le problème? T'auras qu'à demander directement à ton pote. J'ai loupé quelque chose? Non, rien. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on va vraiment bien s'éclater. Vous êtes bien sur la messagerie d'Ulrich. Après le bip, c'est à vous. Ulrich, c'est Jérémy. Qu'est-ce qui se passe? Rappelle-moi. Tu vois, Yumi, moi au moins j'ai toujours été honnête avec toi. Enfin, qu'on arrête deux heures. Ce sera mieux comme ça. Ce sera mieux comme ça. Ok, je lance le processus de débarquement. Transfert. Si tu as besoin de parler, je suis là, d'accord? Ulrich qui vient pas, Yumi qui fait la tronche. Jérémy, pour la prochaine mission, rappelle-moi de prendre le supplément Fiesta! Bon, Yumi, va falloir que tu règles cette histoire avec Ulrich, hein. Parce que là, ça commence à déteindre sur tout le groupe et ça paume carrément l'ambiance. Merci beaucoup, Odd. Je te remercie vraiment pour ton soutien. Ben quoi, qu'est-ce que j'ai dit? Waouh, c'est vraiment la classe. Tu m'apprendras à faire ça un jour? Ça me fait toujours bizarre de voir cette salle aussi calme. C'est le calme avant la tempête. Allez, on y va. Le comité d'accueil des ninjas est en place. Ok, j'insère la fausse clé. Vas-y, Aelita, place le fouineur. Bien reçu, Jérémy. Génial, ça marche. Le fouineur n'a pas été repéré. Faut tenir le temps que le programme trouve l'adresse. Ta garde, Yumi, ta garde. On sent, Yumi, concentre-toi. Faire des points de vie à vue d'œil. Yahoo! Mon premier ninja! Jérémy,
Dévirtualise-moi. Quoi? Dévirtualise-moi. C'est hors de question, tu dois protéger Alita. C'est n'importe quoi, Yumi. À quoi tu joues? J'arrive pas à croire que tu as fait ça. C'est pas vrai. Venez les mauviettes, je suis super chaud. Yes, on peut les avoir. Yes, et de deux. Allez mon pote, à toi l'honneur. Et voilà le travail. Là, on est vraiment trop fort. Ouais, mais c'est bizarre. D'habitude, ils sont plus coriaces. Eh oh, tu pourrais quand même nous féliciter. C'est vrai, c'est pas eux qui sont plus faibles, c'est juste nous qui sommes plus forts. Jérémy, il y a les parois qui bougent. Le fouineur trouve quelque chose, parce que là, il y a urgence. C'est bon, il a repéré l'adresse. Vous pouvez sortir. On y va. T'as des nouvelles de Yumi? Non, aucune. Elle est partie direct en sortant des scanners. C'est vraiment n'importe quoi ce qu'elle nous fait aujourd'hui. Attends, tu plaisantes là? Je te rappelle que c'est Ulrich qui nous a plantés en premier. Hé, hey, t'aurais pas vu Ulrich? Ulrich, je t'aime? Oui. Je crois que je l'ai vu entrer dans sa chambre tout à l'heure. Ok, merci. Attendez, je capte quelque chose de bizarre derrière vous. Vous pouvez jeter un coup d'œil? Ok, Jérémy, donne-nous les coordonnées tout de suite, on va aller voir. Ce sont 17 degrés sud. C'est parti. Quoi? Jérémy, t'es sûr et certain de ton coup? Parce que là, j'ai rien sur mon scan. Pas, j'ai perdu le signal. T'es sûr qu'il marche ton ordi? Il serait peut-être temps de l'amener en révision, non? Très drôle, Ad. Très drôle. Ulrich! Ouf, je sais que t'es là. S'il te plaît, ouvre-moi. Tu veux savoir? Bah ouais, c'était toi. C'est toi dans la nouvelle. Tu voulais que je te le dise, je te le dis. T'es content maintenant? Allez, ouf, s'il te plaît, Ulrich. C'est bon. Je lance le transfert. Réacteur enclenché.
Passons aux choses sérieuses. On va enfin savoir où tu te trouves, Tyrone. D'accord, c'est crypté. Tu crois que ça va m'arrêter? Moi, je peux craquer tous les codes. C'est parti. Jérémy, tu peux me dévirtualiser? Odd, là, t'es pas drôle. Ben quoi, si je me fais dévirtualiser, je rentre plus tôt et comme ça, je louperai pas ma série préférée. Moi aussi, j'ai le droit de penser à moi quand même, non? Ou alors, on n'a qu'à faire tous comme Yumi, et comme ça, très bientôt, on sera plus un groupe. Je suis entièrement d'accord. Alors c'est comme ça que tu me vois? T'es incroyable. Après toutes les choses positives que j'ai écrites sur toi, ta sensibilité, ta profondeur, toi, tout ce que tu retiens, c'est le négatif. Ben super, t'as qu'à rajouter négatif à ton descriptif. Faudrait vraiment que tu grandisses un peu, Ulrich. Mais attends, avec tout ce que tu m'as fait aujourd'hui, je sais même pas comment je fais pour continuer à te parler. Je t'ai dit la vérité. C'est dur à entendre, mais c'est la vérité. Et puis c'est moi qui devrais t'en vouloir, non? Je t'ai quand même attendu toute la matinée pour les tracts. Ouais, les tracts. Ah ouais, les tracts. Et c'est toujours comme ça, de toute façon, t'es jamais là quand j'ai besoin de toi. Je te parle même pas de ta susceptibilité. Dire que j'ai pas arrêté de penser à toi quand j'étais dans le cortex. Je me suis même fait dévirtualiser pour te retrouver. Je suis vraiment trop bête. Attends. Tu pourras rajouter maladroit à ta liste. Je suis vraiment désolé, Yumi. Je sais que j'ai pas été à la hauteur. J'aurais dû être là pour les tracts, j'aurais dû être là pour plein de trucs. En fait, t'as raison. Je suis nul. J'ai vraiment pas envie de te perdre. C'est la personne qui compte le plus pour moi. Et je te promets de faire des efforts. Toi aussi, t'es la personne qui compte le plus pour moi. Yes! 21 juin 2003. La date de disparition de Tyrone. Il s'est vraiment pas foulé. On met jamais une date, Tyrone. C'est la règle de base du cryptage. C'est quoi ce délire? Jérémy, on vient d'arriver là. Tu nous transfères? Ouais. Ouais, tout de suite. Jérémy, est-ce que t'es sûr que tout va bien? Ouais, c'est bon. C'est juste un problème de cryptage. Mais c'est bon, c'est les données. Bon, je vous transfère. Hein? Il y a quelque chose sur le skid. Tire! Je le crois pas. Jérémy, c'est un ninja! Ah. Oh non, c'est pas possible. Toi, on va t'expédier comme tes potes. Non. On s'est fait piéger. C'est pour ça qu'ils étaient aussi simples à battre dans le cœur du cortex. Décroche. Ouais, Jérémy, je suis désolé pour tout à l'heure, en fait. Tu me raconteras ça plus tard. On a une urgence. Un ninja est rentré dans le cinquième territoire. Un ninja? Faut que tu rappliques tout de suite. Ok, j'arrive. William, il faut que tu tiennes. Ulrich arrive en renfort. Maintenant, c'est entre toi et moi. Je vois. Il t'en faut plus pour t'impressionner? Jérémy, il part vers l'ascenseur! Empêche-le d'aller dans le cœur de Lyoko. Il ne faut surtout pas qu'il accède à nos fichiers. Hé,
Hey, on se débarrasse pas de moi aussi facilement. Je sais pas si on te l'a déjà dit un jour, mais t'as vraiment une sale tronche. Je vais pas pouvoir tenir longtemps, il est beaucoup trop fort. Virtualisation. William! Ulrich, faut que tu l'élimines. C'est notre dernière chance. Toi, t'as vraiment pas de chance. Aujourd'hui, je suis très mauvais poil. Triplicata! Raté. Il l'a eu. Bien joué, Ulrich. Il y a un truc qui m'échappe, Jérémy. Comment ça se fait que ton scan n'est pas détecté avant la présence du ninja? Il devait avoir un champ de force qui le rendait invisible. Et à tous les coups, ce sont des interférences électromagnétiques qui ont fini par le démasquer. Yeah! T'as assuré, mon pote. Tu sais que t'es l'homme de la situation, toi. Toujours là en cas de besoin, hein. Ouais. C'est qu'un début. En tout cas, ça fait plaisir de retrouver l'équipe au complet. 100% d'accord. Il va falloir être vigilant avec Tyrone. Parce que là, il était à deux doigts de nous localiser. Ouais, c'est vrai qu'on a frôlé la catastrophe. Mais bon, maintenant, je pense qu'il va y réfléchir à deux fois avant de s'attaquer à la Dream Team.